île paradisiaque au cœur de l'île, un petit coin de paradis. Trois-Rivières, face à la plage de Grand-Anse, de sable noir et au pied des montagnes d'une merveille de la nature. Nous allons à la rencontre de M. Bad Mayer, créateur du planteur, du même nom et reconnu dans le monde comme le meilleur planteur. C'est bon, la bouteille? Oui. Ah, bonsoir, bouteille. Oui, parce que le truc est excellent. Pour le bas. La meilleure. C'est bon. Tu vas le goûter. Voilà, c'est un peu comme ça. Oui, on a toujours mes bouteilles là. Parce que voilà, on est là, c'est de la parade. Il n'y a pas plus bon que ça sur la terre. C'est bien. Je te dis, c'est là-bas. Mettez bon glace d'ombre. Parce que vous voyez là, sans être en sec avec ici, quand même dans en orange, il n'y a que du diarrhée orange, ou clémentine, ou mandarin. Mais à sec comme ça, c'est la balle. C'est la balle. Les pêtes, c'est la balle. C'est la balle. Le coulombat, c'est la balle. Il n'y a pas de photo. C'est la balle. Il n'y a pas de photo. Wow. Ouais, on plantait. On plantait ça, t'as compris. Action, les peuples, qu'on a fait. C'est bon. Ravez-nous là. Nous côté Maïevad. La tête, on a été parlé, ça, c'était quand il y a un registre de Babad. Comme vous voyez, pour un bitin, pour un. Tout ça, il a proposé, mais il a mis tes petits bois, moi. Et grand sourd. Eh bien là, nous ne pas Badler, là, on lui dit bonjour, je suis présenté. J'ai déjà connu Badler. Eh bien bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à la Guadeloupe, ok? Et Ibo est là parce que nous sommes des vieux amis. Mais en plus, il a constaté que j'ai fait un super bon produit pour vous, pour les Guadeloupéens d'abord. Et que je voudrais que vous tous, vous connaissez ce produit. Alors... Eh bien, madame, bien content qu'un cartonnier de l'Europe. Et nous commençons la voie de co-créer, parce que ça s'appelle création, à pas copier, c'est création. Et encore pour création, waouh, à pas la voie de rester, fait toucher le monde entier. Ah ouais. Et puis toucher le monde entier, faire nous mettre les paquets pour le monde entier. Alors c'est pour ça que nous allons présenter vous. Là. Parce que quand on a dit qui j'ai des questions comme ça, c'est tellement facile à dire d'elle, mais de dire en télévision, en radio, en public, là sont top d'idées. Ouais. Alors quelle émotion aujourd'hui, qu'on croit recevoir nous? Pour, il va sans surprise, même si nous sommes d'accord pour te venir aujourd'hui là. Mais sans surprise au fait, non. Parce que moi, je suis tellement content de faire mission à l'épisode. Et puis surtout, de présenter pour dire ça. Et puis, on content tout bonnement. Alors, c'est un kimbao tout pédigré à habiter là. Faites que j'en ai dit là. Tout profond de là. Tout profond de là. Parce que c'est évident, quoi. Ça m'a bâti, quoi. Alors, qui j'en ai dit là, venez. C'est-à-dire que, on constatait que les soirs, on était sorti en l'eau avant, tout le monde connaît moi. On était boité tout le temps. Mais planter sans bidon était toujours aimé. On était boire whisky, coca, tout le monde. Mais planter là, pas trop bon. Planter pas bien bon. Pas tout le monde qui a fait bon planteur. Alors moi, j'ai décidé de faire planter parce qu'on vit l'occasion de ouvrir en restaurant. Alors, on dit, bon, c'est quand on veut un restaurant là, soit on fait un très bon planteur. Et on commence à travailler ici. Et on a travaillé quelques années avant et on a trouvé un recette
pour que l'État original. Voilà. Et là, regardez, a ouvert le restaurant là avec Platena. Et c'est ça qui fait succès à Platena et succès à restaurant là. Ah ben c'est bon, 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 bon. Parce que c'était bon, vous voyez? Bon. Et bon toujours. Oui. C'est aidé. Le couleur de balle. Ok? Ah ben les bébés, voilà, le couleur de balle. Le couleur de balle. Je comprends, il y a ça, mais le bébé, à campagne, il y a ça, mais le et très bon. Et nous, quand même, et monsieur, maman dit monsieur. Je connaissais notre père avant de venir. Je ne connaissais pas, mais c'est vrai qu'il est très bon. C'est le meilleur planteur. Tu veux dire quel tout simplement. Tu veux dire quel coin de la France? De Nancy. Ah, de Nancy. Dans l'Est. Ah, ouais, moi, je vois tous les Nancy qui sont bois d'eau. Eh oui. Parce qu'il y a beaucoup de Nancy ici. Bah, ils vont venir ici. Avec les gens qui sont passés, ils aiment le planteur ici. D'accord. Eh bien, ils vont revenir. Si tu as quelque chose à souhaiter à la voile, qu'est-ce que tu peux souhaiter à la voile? Bah, que du bonheur. Et du planteur. Que tu voudrais du planteur. Allez, voilà, ben, que du planteur et du bonheur, il y a quoi c'est. Alors là, quoi on va faire? Là, reste à laisser madame là un petit verre. Parce qu'elle nous sait nous. Et nous allons attendre. Arrêtez de motiver le planteur pour nous payer à moxer. Oui. Oui. Voilà. Voilà, mesdames. Chaque madame, quand on fait, ma plaire. Blanc à noir, qui est là. Blanc à noir. Merci beaucoup. Ok. Monsieur le planteur, vous connaissez le planteur? Ah oui, je connais bien le planteur. Depuis de nombreuses années. Ah bon. Mais oui. J'en dis bien. Oui, effectivement. J'ai vu la recette se faire petit à petit. Oui. J'ai même eu l'honneur de goûter au fur et à mesure. Ah ben, pour voir s'il était bon. Et toi? Là, franchement, c'est la première fois, mais c'est excellent. Franchement, là, je conseille aux gens d'acheter et de venir à Trois-Rivières acheter à la maison de planteur. C'est excellent. Très bon. Franchement, il y en a bien. Ah ben, c'est bon. Ah ben, ça nous recette aussi. Force. Oui, oui. Force. Oui, Platena, j'ai arrivé. Et bon, il distribue un petit peu partout. Mais le but du planteur, c'est l'international, les gars. Alors, donc, moi, en France, bientôt, je vais essayer de faire des choses pour que le planteur soit distribué en France. Pour que les gens me disent pas, mais nous, en France, ils ont oublié nous. Alors, donc, moi, je vais mettre le planteur à Paris bientôt. D'ici février, mars, dis aux Parisiens, il y aura un sort de planteur à Paris. Ok? Et ça sera bien pour eux d'avoir le planteur directement. Parce qu'ils ne sont pas obligés de venir ici. Moi, je vais mettre le planteur à Paris. Avant 2024, qui est les Jeux Olympiques, le planteur va faire un succès en France. Parce que c'est vraiment le meilleur planteur. La France de Paris. Pour promouvoir à Platena, est-ce qu'il y a une boutique? Qui m'a nous contacté? Qui m'a nous appelé? Qui m'a fait mon erreur? Qui m'a dit qu'il y a une parole d'espoir pour planter la vie internationale? Ouais, c'est une belle question, posez-moi là. C'est une belle question, même si mal. Parce que tout le monde n'a pas tout dit fait planter, mais ils ont trouvé distributeur là qui a commercialisé tout partout dans le monde. On peut le trouver. Et on a souhaité qu'après l'émission là, Ibo, comme tout le monde connaît vous, et que tout le monde est réveillé, même Guadeloupe, hein, qui peut être distributeur, la région peut être un distributeur, le conseil général peut être un distributeur. Quand tout le monde peut être distributeur, à partir du moment où on est contacté, on est l'agent. Alors ça, quand on marque là, c'est un grand distributeur. Parce que Platena a été ouvert Zélaï. Ouvert Zélaï. Il n'est pas fait plus rester en Guadeloupe seulement. Ouvert Zélaï. Parce que la France de Paris, et tout le monde a adoré ça. Dans, et les routes du Rhum, c'est Platena qui a vendu le plus de tonnes à Rafael. Alors donc, nous avons ouvert Zélaï. Mais pour ça, si on est en distributeur en France déjà, en métropole, qui a pris un produit là, et qui a mis tout pas tout bas, et tout le monde a une connecté. Et après, c'est fini. Il aura dit, bon, mis un produit de la Guadeloupe. Alors, conseil général, ou tous ces bougas là. Bon, mon coup de main pour nous tirer planter là en Guadeloupe, pour nous mettre international. Le touriste est international. Le touriste a besoin de trouver chez lui et maintenant il va trouver chez toi. Le touriste n'a pas besoin de trouver chez toi seulement parce que le touriste il faut qu'il voit ça chez lui et il va venir le chercher ici.
Ok? Ah, mais c'est une belle question à poser, moi. C'est problème à moi, à présent. Eh bien, voilà, bien, c'est voilà. Maillet, porte qui a ouvert, tout ça, nous fait ouvrir porte, mais parce que nous c'est ouvert porte. Hein. Alors, c'est mes portes. C'est mes portes. Mais ni ouvert porte. Alors, nous, c'est ouvert, nous, c'est ouvert porte. Mais pas pour Maillet seulement, pour tout le monde qui est Guadeloupéen. D'accord, Guadeloupéen. Et pour nous faire le monde entier connecté. Et bien, Maillet, quand on s'est élevé, mais bon, il faut. Mais t'es là pour tellement, mais c'est ça que tu es planté là. On ne dit pas goûter. On ne va pas faire de l'eau maintenant. Goûter planté là, Guadeloupe. Là, on va faire de l'eau planté là. Le Guadeloupe est gâté. Et la dose. Et ma maman, elle a fait planté là. Maman, elle a fait bon planté. Mais à part compétition, maman, à part compétition, puis on a pris au frère. Ou c'est frère, moi, à TV ou Tessina. Quand ça veut dire si bon, si pas bon, est-ce qu'on va dire ça avec toi? À la santé. Ok. Mais les pères, voilà, c'est Maillé, nous connaissons. Mad Maillé, c'est son figure de la Guadeloupe. Son mot qui fait place à un pays là déjà. Parce que le premier, il s'est fait place à un pays là, et après, il fait place à un étranger. Eh bien, il fait place à lui. Une des premières bouteilles. Quand je vais dans les rues, dans les supermarchés, une des premières bouteilles, je suis fier de ça. Il est marqué Bad Mayer. Une des premières bouteilles, des noirs. Un noir mort. Marqué son nom sur une bouteille. C'est bien. C'est bien. Une des premières bouteilles. Ouais. Cool and bad. Cool and bad. By Mayer. Ok? Voilà, une des premières bouteilles. Alors, honorez-le. Honorez-le. Donne-lui la force pour s'en sortir la bouteille. Je compte sur vous. Ok? Alors, Guadeloupéen, je vous dis merci. Guadeloupéen, merci. Mais le monde entier, je dis merci. Merci beau. Merci beau, frère. Merci beaucoup. Merci beau, frère. Mon ami qui a contribué à ça, merci. Je pense que ça c'est important parce que sans contribution à l'autre, on ne peut pas vivre. Et non. International, ouais. Etc. Alors que nous sommes en fait dans tout le pays du monde. Ouais. Mais c'est nous en Guadeloupe qui n'avons pas faire côté à ça pour nous développer du piano parce que nous avons toujours trop de problèmes à jalousie, trop de problèmes à monsieur qui bat monsieur force, monsieur qui bite, coûte l'encapouka à droite, à gauche à quatre, t'as la camaille balée. Mais au-delà, quand vous avez BAM, Maillet, à quoi vous avez là qui a avancé une piste, car avancé une piste. La Guadeloupe même il a changé. La Guadeloupe a changé. Hein. C'est pour ça qu'il a commencé à changer. Parce qu'il n'y a pas conscience que le pays a eu belle. Il n'y a pas conscience que ce nous consommer local. Il n'y a pas conscience que ce banné force. Parce que ce banné force, au prix, hein. Vous-même la prix. Hein. À tout ça. Exactement. Mais d'ailleurs, en comptant un jour, les gens disent que c'est un peu à venir de lui, c'est bad. Ouais. Année pour toutes les oui. Merci à tout le monde. Ok. Nous venons le bad. Meilleur planteur du monde. Allez sur Google. Google. Tapez meilleur planteur du monde sur Google. C'est lui. Il n'y a pas de photo. Meilleur planteur du monde sur Google. Ok. Merci. Hein. Allez rechercher ça. Bye bye. Bon, eh bien, moi toujours une belle planteur. Hein. Et quand vous avez. Tout le bitaine au commencement, tout le bitaine au milieu et tout le bitaine au fin. Alors là, on va chercher qui vient faire là. Et faire là, ce n'est pas pour casser tête à l'autre, c'est simplement c'est pour faire comprendre, rentrer bien dans la tête que nous sommes la Guadeloupe, nous allons défendre le peuple en nous, nous allons défendre le pays en nous, nous allons défendre la culture en nous. Nous allons défendre la race en nous, nous allons défendre ça nous inventer. Et là, c'est une invention que Bat n'a pas qui créé planteur. Mais il faut dire planteur, il fait planteur, il mettait son gars dedans. Et quand il mettait son gars, après ça, nous mourir. Alors, quand il a dit pour la fin,
pour la fin, Saint-Denis a dit, à remercier, les autres, à remercier Ibo, tout ça, et à remercier les autres, et à dire autres, essayer de au moins goûter, parce que c'est une mission sur la terre. Voilà, c'est goûter, et puis ben nous à bien autres, nous sommes très contents de connaître la vie. Si nous avons amélioration, nous que fait. Si nous avons été fait, nous que fait. Mais la masse là déjà, il est déjà pas mal. Ok? Alors, remercier les autres mêmes. Et moi, remercier moi, remercier moi-même, qu'on fait ça. C'est pour les autres, pour faire notre plaisir. Alors, pas de problème. Alors, les pays locaux, les responsables locaux, les mouns locaux, ils ont la bonne capacité de faire. Il a mis un grand sur les écrans de télévision du monde entier. Alors, maintenant, c'est non seulement bien qu'elles n'ont pas fait de jalousie, qu'elles n'ont pas fait de méchanceté, qu'elles n'ont pas fait de boycottage, qu'elles n'ont pas fait des blocages, qu'elles n'ont pas fait tout ça qui est négatif, parce que je vois dire, il y a qu'à faire encore nous, tout partout, avec les Guadeloupéens qui répondent, qui ont et ils ont organisé dans ce sens. Mais là, organisé dans le sens, ils ont ouvert porte. Côté côté mon Dieu, dis bon Dieu, mais ça nous porte bon. Et mon Dieu est très content. Ok. Ok. Bon, ben, Ibo, merci, à bientôt. Ok. 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 Je voulais dire qu'on avait cherché l'origine du planteur. Mais en fait, le planteur, c'est une boisson qui n'existe pas. Ça a été, disons, créé plus ou moins dans le Mississippi, dans une plantation. C'était une dame, en fait, qui préparait des boissons à base de fruits pour ses employés et tout. Et puis petit à petit, ils ont mis du rhum dedans et ça a pris le nom de planteur. Et en même temps, c'était le nom d'un hôtel qui s'appelait le Planters dans le Mississippi. Et où ils vendaient en fait des boissons alcoolisées à base de rhum mélangées avec des fruits. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé au niveau de l'historique. C'est pas une boisson qui existe comme le punch ou d'autres alcools. Après, moi, je me suis inspirée de ce livre, voilà, parce qu'en fait, il y a tout sur le rhum, la canne à sucre, l'histoire depuis toujours, les échanges qui ont lieu avec les bateaux, enfin tout ça. Les distilleries depuis toujours, les chais avec le vieillissement du rhum, à travers le monde entier, donc principalement sur les Antilles. Aux États-Unis, puisque le sud des États-Unis sont aussi des gros producteurs de rhum. Il y a même l'histoire de la Réunion, enfin il y a tout, quoi, l'Amérique du Sud, enfin tout ça. Hein. Là, on a trouvé beaucoup de documentation. Enfin. En même temps, il y a les habitations sucrières, donc le travail de la canne. Il y a un peu de tout. Les anciens pressoirs, avec les gens en fait qu'on accrochait sur des barres pour presser le rhum et faire tourner la roue en fait. C'était des esclaves qui étaient suspendus et qui faisaient tourner la roue. C'est particulier. Sache que je pense à toi.